Montpellier. Ce sont maintenant les Montpellierens qui sont dangereux. Action de folie pour démarrer ce match. Lucas sur les extérieurs, il a gardé le ballon. Mais ah, Lucas, dommage, il pose son pied sur l'aile de Nagusa, c'est trop croisé. Et le ballon sort en touche. Mais monsieur Berdos va arrêter le temps, ce qui va faire du bien à tout le monde. Oui. C'est le choc de Técori, je pense. Qu'il... Et notamment Ben Lucas, qui je pense a dû être plaqué sans ballon. Alors juste qu'on voit après le coup de pied. Oui. On voit l'initiative. Ça, on est preneurs. On achète. Dans la foulée de très très bon match entre Clermont et Bordeaux. Et il y aura malheureusement pour le Stade Toulousain très certainement un carton jaune pour un plaquage à l'épaule. Ouais. Monsieur Boréani est l'arbitre vidéo de ce match. Alors Ben Lucas, il est sanctionné, doublement sanctionné. Hein, sévèrement secoué, même s'il s'est relevé, l'ouvreur montpelliérain. Non, il y a un plaquage à l'épaule, ce sera un carton jaune très certainement, contre Josefa Técori. Mais non, Ben Lucas, mais il est le choix de jouer. C'est une seule fois, ça sera pénalité contre vous. Et on demande un protocole commotion pour Lucas. Técori échappe de peu au carton jaune. Pénalité pour Montpellier.